Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la suite des aventures sur Skondadeep. Alors, tout d'abord, bon, c'est le bordel sur mon île, hein, ça, vous-même vous savez, ça n'a pas changé. Tout d'abord, je voulais m'excuser puisque je sais que ça fait un petit moment que je vous ai laissé, entre guillemets, dans le vent avec la série Skondadeep. Hein. Ça fait un petit moment, je pense, que vous attendiez cet épisode et bah, il est là, il arrive. Hein. Marie-Madeleine, elle n'a pas bougé. Vous voyez que mon bordel n'a pas bougé. En fait, rien n'a bougé. J'ai juste rangé un petit peu mes coffres avant de commencer le règle de la vidéo. Et nous avons déjà survécu 19 jours. Alors oui, c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas retouché à Skondadeep. On va prendre les petites planches parce que je pense qu'on va se faire des petits shelters sur le radeau. Mais comme vous le savez, j'étais parti une semaine. D'ailleurs, j'ai sorti une grosse vidéo sur la chaîne par rapport à ça, qui à mon grand regret ne vous a pas plu plus que ça en fait. Bon, après, je comprends, hein. Je peux pas non plus vous forcer à regarder les vidéos. Hein. Si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Je pense qu'on va faire des shelters ici, carrément. On va en faire un, hop, juste à côté. Oh, ça c'est parfait. Pourquoi il se met en l'air? C'est normal ça. Si je le pose là, ça va pas aller, clairement. Mais attendez, c'est énorme si je peux faire ça. Mais oui, c'est énorme parce que je peux faire ça. Donc oui, c'est vrai que la vidéo que j'ai faite, elle m'a pris beaucoup de temps tout de même. Énormément de temps. Mais après, bon, voilà. Je comprends, ça vous a pas plu, ça vous a pas plu. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. On est retourné sur Skondadeep. On va se refaire quelques planches, je pense. D'ailleurs, tiens, j'ai un tronc d'arbre. Est-ce que je peux refaire une petite planche ici? Je pense que oui, c'est nickel. C'est dans mon inventaire, j'en ai deux. Alors, je vous avoue que vu que ça fait un petit moment que j'ai pas touché Skondadeep, moi-même, je suis un petit peu perdu au niveau des épisodes. Je ne sais plus exactement ce qu'on avait fait la dernière fois. Mais quand je revois mon île, il me semble que si, en fait, on avait fait pas mal le tour de cette île. Alors, on avait fait le tour. Par contre, on n'avait pas fouillé des espèces de petites tours. Des espèces de grandes tours, même. Et je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tenter de fouiller cette île de fond en comble. Et après, on va se diriger vers une nouvelle. J'ai besoin de me rafraîchir. Ça fait si chaud que ça. Oula, oui, ça fait chaud, mon gars. On va très certainement aller voir cette île par la suite. Alors, comme vous le savez, au niveau des épisodes... Ouh, attendez. Ça, je prends. Oui, on va peut-être aller faire un petit tour dans l'eau, histoire de se rafraîchir un petit peu. Ça pourrait nous remettre les idées au clair. En tout cas, on est reparti sur la série Skondadeep. Vraiment, j'espère que ça vous fait plaisir, parce que moi, ça me fait super plaisir de retourner sur le jeu. Ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas démarré. Et souvenez-vous, on était parti pour une aventure modée. C'est une aventure qui va durer longtemps. C'est une aventure qui va durer dans le temps. On y va tranquillement, à notre rythme. C'est pas une course, on n'est pas pressé. Mais j'ai vraiment envie de faire les choses bien pour cette aventure. Bah, tout comme je l'ai faite pour la précédente, en fait. On a 4 planches. On va se refaire un petit shelter. Crac, et voilà. Et là, on va pouvoir ranger des nouveaux coffres. C'est le bordel. C'est le bordel total. Alors, j'ai rangé un petit peu mes coffres. Hein. D'ailleurs, j'ai des coffres vides. Vous voyez, j'ai un petit peu trié. Hein. Là, je sais que normalement, hop, je dois avoir 3 coffres vides juste ici. Donc, on va pouvoir encore ranger du matos. Après, c'est vrai que j'accumule énormément de choses. Comme vous voyez, par exemple, un coffre avec des tonnes de pierres à l'intérieur. Je sais pas ce que je fous avec ça. Je dois avoir le syndrome de Diogène, moi. Vous connaissez le syndrome de Diogène? C'est les personnes qui arrivent à se débarrasser de rien. Ils foutent rien à la poubelle. Et ben moi, c'est pareil. Je veux rien foutre à la poubelle. Je pense qu'on va prendre tout ça, déjà. Le tissu, la petite brique, des planches, bouteille d'oxygène, on prend. J'ai plus de place. Alors aussi, récemment, j'ai repris les streams sur Twitch. On a fait pas mal de... Et tu te calmes, ouais. Bon, écoutez, on va ranger ça là-dedans. Alors oui, j'ai repris les streams sur Twitch. D'ailleurs, on en a fait pas mal la semaine passée. Je crois que j'ai fait un stream tous les jours. Après, oh là, il y a une tempête qui approche. Ouh, ça sent mauvais les mecs. Bon, après, au niveau des streams, j'ai pas spécialement de programme. J'ai pas de programme du tout, en fait. Oh, ça va être chaud. Au niveau de la tempête, voilà, je suis capable de lancer un stream le lundi matin à 10h jusqu'à 5h de l'après-midi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait toute la semaine. J'ai lancé des streams en pleine semaine, comme ça. Ouh, pop. On va ramasser les bouées, les mecs. Écoutez, on va ramasser les coffres déjà. On va les mettre ça sur le radeau. Voilà, fallait que ça vienne à cette heure-ci, la tempête. Attendez, on va prendre ça. Hop, déjà, on va caler tout ça ici. Et voilà. Ah bah, ça fait un sacré mur de coffre, mon gars. Eh bah, faut combien de tonneaux déjà? 1, 2, 3. Là, j'en ai que 2. Il y en a pas un par là-bas. C'est quoi ça? Un jerrycan? J'en ai déjà plein, c'est bon. D'ailleurs, j'ai toujours pas d'essence, les mecs. Hein. On peut toujours pas activer le moteur du radeau. Est-ce que ce serait pas un tonneau là-bas? Ouais, elle est quand même super chelou, cette île. Hein. Oh, mais regardez ça. Regardez-moi ça. Ballon de sauvetage. On va encore agrandir le radeau, une fois de plus. Oh, je crois qu'il y en a un qui est parti à l'ouest. Je vais aller chercher s'il y a moyen. Je l'ai, c'est bon. Nickel. Du scotch. Je prends. Bon, j'en ai déjà, mais bon. Alors, bien sûr, une fois de plus, je compte sur votre soutien pour le petit like sur la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ou des planches. Je vais revenir ici.
Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Je lis tous vos commentaires, que ce soit sur cette série ou bien sur une autre d'ailleurs. Sur n'importe quelle vidéo, je prends en compte absolument toutes vos remarques. Et vous savez ce qu'on va faire? Je vous donne rendez-vous mercredi. Oui, ce mercredi, dès que la vidéo sera mise en ligne. Et on va se donner rendez-vous sur Twitch à 14h pour continuer la série Stranded Deep en live. Donc, vous notez ça dans vos petits agendas. Rendez-vous mercredi, 14h. Ce mercredi. Après, si vous regardez la vidéo mardi 23 octobre 2024, Inch'Allah, je ne sais pas s'il y aura un live. On a un tonneau ici. Construction, véhicule. Voilà, tac, c'est bon. Nickel. Alors également, comme d'hab, je le répète à chaque fois, mais vous pouvez bien sûr retrouver Stranded Deep ainsi que d'autres jeux sur le petit lien G2A qui se trouve dans la description. Est-ce que je peux le mettre là? Yes! Normalement, je dois avoir de la corde dans mes coffres. Mais alors où? Ah bah ici. On va encore agrandir ça. Bon, on va continuer devant. Ah, et regardez-moi ça. Après la pluie, le beau temps, ça se dégage là tout doucement. C'est nickel. Alors également, je le répète peut-être pas assez, mais j'ai une deuxième chaîne YouTube qui se trouve dans la description. Sur cette chaîne, vous retrouverez des unboxings. Donc, je vous présente plusieurs types de matos. On fait des unboxings, on les présente ensemble. Ainsi que du gameplay, des jeux vidéo. Il y a absolument toutes sortes de jeux vidéo sur la chaîne. Moi, de toute façon, je suis un multigamer. Je joue à tout. Alors, j'aime beaucoup les jeux de survie, mais pas que. Et donc, je vous invite à aller y faire un tour. Je la mettrai dans le coin supérieur droit de votre écran. Vous aurez juste à cliquer sur le petit. Ça. Oh, encore des pièces de moteur. Pff, non, mais c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Hop, 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 hop. J'ai pas vu une bouteille d'oxygène par ici? J'avais cru. Marie Madeleine, ma vieille! T'inquiète pas, on est bientôt parti à l'aventure. Bah écoutez, on va continuer notre empilage de coffres. Hein. C'est un truc de ouf. Les mecs, là, sur cette aventure, j'ai vraiment tout misé sur le radeau. J'ai tout misé sur le radeau. C'est une aventure 100% nomade. Alors, en général, tout dépend des épisodes, comme vous le savez. Hein. Un épisode, ça peut très bien durer, on va dire, entre 20 et 30 minutes, voire plus ou moins. Tout dépend de ce qu'on fait dans l'épisode. Moi, en général, quand je vous propose des épisodes d'une vingtaine de minutes, bien souvent, je joue en moyenne une heure, voire une heure et demie. Voire des fois, ça arrive deux heures. Bon, je vous passe bien sûr tous les voyages entre toutes les îles et tout. Hein. C'est des choses que je juge pas forcément intéressantes. Je dois avoir une lampe de poche, hein, quelque part. Oh bah, c'est sûr et certain, j'en ai pas qu'une, hein, même. J'en ai plusieurs. On est parti de nuit. Alors, vous savez ce que je vais faire? Hop, en même temps, ça fera de la place dans mon inventaire. Voilà. Crac, crac, hop, on va en prendre un autre, crac, crac, encore un autre, crac, crac, impeccable. Regardez-moi ça, c'est pas joli ça? Poubelle, poubelle, poubelle. Allez, clairement, on va aller visiter ça. Regardez, on a un navire ici à visiter. Ah bah non! Mais non! Je me casse. Mais non! Souvenez-vous. Mais non, souvenez-vous de rien du tout. Attendez. Ah non, non, non. Je confonds là, clairement. Non, on était passé par là? Ah si, si, clairement, ça me dit quelque chose. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de passages secrets dans les îles et tout. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, 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 ouais. Pourquoi pas? Ah, mais oui! Mais oui, mais oui, mais oui! Une hache. Allez, je la prends. La corde, je prends. Oh là là, oh là là, là 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 là, les mecs, mais non, mais... Mais où est-ce que je vais mettre tout ça? Regardez, encore des coffres et tout. Non mais c'est dingue quand même. Hein. Une bouteille d'oxygène. Allez, je prends. Un flingue. Je prends. Je tire. Oh, mais il est vide. Mais oui, souvenez-vous, on était passé par ici. Des patates. Je prends. Ça peut servir pour faire de l'essence dans le radeau. Par contre, mon gars... Hey! Clairement, comment monter là-haut? Ah, regardez. Attendez, on va retourner... Ouais, ouais, c'est bon. Je pense que j'ai trouvé. Ah, ça y est, j'ai trouvé les mecs. Vous voyez, il y a encore des tonneaux et tout. Il y a encore tout un tas de trucs à choper. Mais oui, voilà. Là, par contre, on n'y avait pas été ici. Il y a une échelle. Alors, est-ce qu'on peut monter? Nickel. Bon, là, je vous avouerai qu'on ne voit pas grand-chose. Oh, un coffre. Je prends. Mais les mecs, mais... Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, bordel? Ça craint, quoi. Mon Dieu. Il faudrait que je joue ma vie, mais... Qu'est-ce que je vais foutre de tout ça? Voilà, on fait le tour, hein, tranquillement. Voilà, regarde, il y a encore une porte ici. Bon, bah écoutez, on va monter. Hein. On va continuer. Je trouve vraiment que la survie modée apporte quelque chose au jeu. Parce que clairement, bah, on n'a pas tout ça dans le jeu de base, quoi. Vous voyez, des passages secrets à trouver. Il y a tellement de trésors à trouver, mais... Mon Dieu, Seigneur. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. C'est presque trop. Regardez, des pneus encore. Mais non, mais non, mais non, mon gars. Il y a encore tout un tas de trucs, quoi. Comment on va pouvoir... Allez, ah bah comme ça. Voilà.
tout simplement. Allez, on continue. Oh là là, c'est tellement glauque, mon gars, là-dedans. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a des coffres ici. Oh, mais il y a encore tout un tas de trucs, les mecs. Il y a encore tout un tas de trucs. Alors, attends. Il y a une porte ici. Oh, on va très certainement trouver des coffres encore. C'est sûr. J'aurais bien jeté mes coffres. Mais bon, ça risque... Vous voyez, je les aurais bien fait basculer en bas. Bon, eh bien, écoutez, on va monter encore. Hein. Continuons de monter. Alors, et ça monte encore. Ça monte encore. Ça s'arrête pas. Hein. Ça ne s'arrête pas. Ça monte encore, les mecs. Ok, ici, rien. C'est pareil, des rations, mais... J'en ai à dégueuler. J'en ai à dégueuler. Vraiment, hein. De toute façon, si je trouve des nouveaux coffres, je jette les miens par-dessus bord. Hein. Déjà, ça, clairement... Voilà, je le jette là-bas parce que ça va me servir. Hein. Pour améliorer le radeau, hein. Oh, j'ai plus assez de place dans l'inventaire des planches. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. On va faire quelque chose. Attendez, il y a plein de planches, là. Je suis en train de faire de la place dans les coffres, là. Hein. Voilà, comme ça. Tac. Voilà, il me reste de la place. Ça, c'est nickel. Allez, hop, mon gars. Et un. Et deux. Et trois. On a un beau visu, là. Cette île m'intrigue. Clairement, cette île m'intrigue. On a un crash d'avion, là-bas. Oh là là, s'il y avait la mer en dessous, les mecs, j'aurais tellement fait le grand saut. Il n'y a pas moyen de faire un grand saut. Non, 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 c'est trop dangereux. C'est beaucoup trop dangereux, je vous jure. Alors, attendez, on a un crash d'avion là-bas. Par contre, je me souviens plus si on l'a visité. On va aller voir. Alors après, c'est pareil, hein, comme je vous le dis, je prends tous vos commentaires en compte, toutes vos suggestions. Si vous avez des jeux auxquels vous voulez que je joue, que j'essaie, par exemple, vous pouvez très bien me faire découvrir des nouveaux jeux que je ne connais pas, que ce soit des jeux d'aventure, des jeux de survie, tout un tas de jeux en fait. Hein. Moi vraiment, je prends toutes vos suggestions les mecs. Hein. Par la même occasion, moi ça me fait découvrir des nouveaux jeux. Donc ça c'est plutôt cool. Après, des jeux différents, on en découvre plein en stream comme je vous le dis. D'ailleurs, je le rappelle, hein, je vous donne rendez-vous mercredi 14h. Notez bien ça dans vos agendas. Et oui, donc je joue vraiment à tout un tas de jeux différents. Hein. Vous pouvez aller checker ma deuxième chaîne qui se trouve dans la description. Écoutez, on va ranger tout ça. C'est dingue, c'est dingue. Il y a beaucoup trop de trucs sur mon radeau. On va aller checker le crash d'avion. Ça, par contre, ça, je ramasse. Net. Ça, bah, en fait, je ramasse tout, quoi, comme d'hab. Ouh, ça, je ramasse. D'ailleurs, je vais le manger de suite. Il est là, le crash d'avion. Mais je crois, il me semble... Ouh, c'est vite tout ça, hein. Il me semble qu'on l'avait déjà fouillé. Je ne sais plus. Par contre, on va se ramasser un petit peu de yucca. Voilà. Ça peut toujours être sympa. Histoire de faire de la corde. Il me semble qu'il y en avait un autre juste au bout de l'avion. Voilà, ici. Alors, attendez. On fait bien le tour. C'est quoi ce bordel, là? Ah, c'est les chauves-souris, là, qui me braillent dans les oreilles. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, 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 oh. On a un placard, ici. Si j'arrive... Non, 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 non. C'est trop risqué, c'est trop risqué. Je vais me retrouver coincé, je le sens. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Parce que je persiste à vouloir aller là-dedans. Ça, c'est mort, j'en ai plein. J'en veux pas. Les pièces de moteur, c'est bon, j'en ramasse plus. J'ai de quoi faire un V12 sur mon radeau, là. Je veux dire, au bout d'un moment, ça va. Hein. Également, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais de toute façon, je pense que vous l'avez constaté. J'ai changé de décor derrière, encore une fois. Ça me plaisait plus et je trouve que comme ça, c'est mieux. Bah, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'il est l'heure de se casser. Alors, ok. Oh là là, non mais... C'est dingue. Je vous jure, c'est dingue tout ce qu'il y a sur mon radeau. Tout le bordel qu'il y a sur mon radeau, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans une autre série Stranded Deep, les mecs? Il y a tellement de trucs sur mon radeau, là. Mais c'est énorme. Écoutez, je pense qu'on va se diriger là-bas, hein. Regardez ça, j'arrive même plus à le tirer, le bordel. Il est énorme, mon gars. C'est pas un radeau, c'est un cargo. C'est un smirmorque, le bordel. Ma vieille, à la voile. Alors, attendez, parce que nous, on va se diriger là-bas. Hein. Oh, en plus, ça commence à faire jour. C'est nickel. On a soif. De toute façon, on a ce qu'il faut, les mecs. Hein. On a ce qu'il faut, clairement. On a des rations et tout. Oh là là, c'est tellement magnifique. Les effets de lumière dans Stranded Deep, c'est vraiment un jeu qui est magnifique. Oh, est-ce que c'est le porte-avions, là-bas? Je pense que oui, hein. Non, mais c'est quoi cette île? Je vous jure, ça fait deux épisodes qu'elle m'intrigue. On va s'y diriger. Alors, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est fait exprès? Je pense que c'est fait exprès. À mon avis, c'est quelqu'un qui a modélisé une île comme ça. Il y a moyen.
Mais regardez ça, il y a des bateaux qui volent, il y a rien qui va. On a une île en face, là. Oh là là, on a encore des grandes îles derrière, mais il y a tellement de trucs à voir, les mecs. Je vous le dis, cette aventure est dingue. Cette aventure est dingue, et elle n'est pas finie. Ah bah, il est là, Bertrand. Tiens, va donc avec Marie-Madeleine. À bâbord, toutes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bug ou c'est fait exprès? Je suis encore en train de me poser la question. Est-ce qu'on va pouvoir visiter tout ça? C'est quelqu'un qui a fait nappe sur la construction de son île. Attendez, hein, peut-être mauvaise langue. Hein. Peut-être quand on va arriver... Ah si, si, j'ai l'impression que c'est fait exprès. Hein. Regardez, on peut monter et tout. Hein. J'ai l'impression que c'est fait exprès, les mecs. Clairement. Oh, il y a un espèce de requin qui me suit, là. Regardez ça. Ok, on va jeter l'ancre. Hein. C'est complètement dingue, les mecs. Là, je crois que je dois avoir des coffres vides par là, ouais. On va mettre tout ça où on peut. Voilà, on garde une hache sur nous. Ma vieille, tu gardes le radeau avec Bertrand. C'est bien trop risqué pour toi. Je peux pas t'amener. Oh, par contre, attendez, on va prendre autre chose. Est-ce que j'ai une autre hache? C'est le c'est le zbeul total, mon vieux, dans mes coffres. Ah, attendez, hop, voilà. Elle a combien, celle-ci? Elle est à 100%, c'est bon. Voilà, comme ça, j'ai deux haches. C'est quoi ça, de l'argile? Ok. Ouais, mais non, mon gars. Mais c'est quoi cette île chétanisée, là? Oh, attendez. On a un coffre par là? Ou un mirou? Non, 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 non. Trop risqué, trop risqué, trop risqué, les mecs. Ouh, toi, mon petit, je t'ai grillé direct. Ah, je l'ai cramé, lui. Un père sanglitard, là, juste ici. Oh, la vache. Faut avancer vraiment doucement. Oh, on a soif, on a soif, on a soif. Attends, on va se faire une petite noix. Voilà. Au pire, je suis sûr qu'on va trouver des rations sur l'île. 20 jours survécus. Voilà, on va éviter de trop en boire. Après, on va choper une chiasse carabinée. Oh, yes! Oh, ça, c'est bon. Ok. Voilà. Voilà. Eh ben, c'est parfait, ça. Oh, regardez-le. Il se déplace, lui, là-bas. Hein, le serpent, vous le voyez? Regardez-le, comment il se déplace. Oh, mon gars. Je t'ai grillé. On va tenter de monter. Mais c'est quoi cette île, bordel? Oh là là. Mais j'y vais comme un ouf, moi. Je cours là-dedans, quoi. Je suis un taré, les mecs. Ok, et puis ça passe, hein. Putain, on dirait notre bonhomme, il court avec des petites talonnettes et tout. Oh, un coffre. Allez, je prends. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Non, non, c'est bon, la torche, j'en veux pas, hein. Voilà, je vais commencer à être exigeant maintenant, hein. On va commencer à faire du tri un peu. On peut pas tout ramasser, c'est pas possible. Mais regardez, il y a des bateaux qui volent et tout. Vous croyez qu'on peut encore monter? Bah, je pense que oui, hein, clairement. Je pense que oui. Là, le mec a fait son île, Il était pas bien. Il a fait ça après un soir de beuverie. Il était pas bien, le mec. Il devait pas avoir les yeux en face des trous, quoi. Elle est stylée, franchement. L'île dans le ciel, mon gars. Ça ferait pas un beau titre? De ouf, hein. Oh, regardez ça. Encore un coffre. Je prends. Je fais gaffe parce que peut y avoir des serpents, hein, même en hauteur. Il y a moyen qu'il y en ait. Là, par contre, j'arrive... Oula, ça, je prends. Clairement. Voilà. Là, j'arrive à la fin de ce que je peux faire au niveau de cette île, j'ai l'impression. Alors, ration, oui. La corde, oui. Le moteur, non. J'en veux pas. Non, mais gros. Oh, oh, je prends. Je ferai le tri plus tard, les mecs, au niveau des coffres. Ouais, sur... Ah bah, génial. j'ai adoré. Oh, mais attendez, on peut continuer. Regardez ça. On peut continuer par ici. Attends. Oui, hein. Oh là là, ça va flotter. Ça va flotter. Regardez ça. Il y a des tonneaux. Le truc, c'est que je sais pas où il est. Ouais, je me casse. Voilà. Quand je sais pas trop où ils sont comme ça. Mais ouais, mon gars. Ah, puis j'ai rien pour le niquer, là. J'aurais dû prendre mon flingue. Alors oui, également, les mecs. Je vous l'ai pas dit. Mais si vous n'êtes pas au courant, Stranded Deep est enfin sorti en mode multijoueur. Enfin. Après tant d'années. Ça, clairement, je les prends. Hop, 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 hop. Non, 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 non. Déjà. Bon, écoutez. Voilà. Hop, on va manger une ration. Voilà, comme ça, ça fera de la place. En fait, elle est stylée, son île. Oh putain, j'ai cru que j'étais en train de me péter la gueule, clairement. Par contre, on a une vue d'ici. Il y a encore une grande île en face, là. Regardez ça, on peut encore monter, quoi.
Ouais, c'est chaud, mon gars. C'est du parcours, son île. Ouais, 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 ouais. Est-ce que je peux grimper? Ouais. Nickel. Alors. Oh là 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 là. Mais attendez, 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 attendez. C'est simple. On va faire du tri. Voilà, nickel. Les coffres sont rangés. Ça me laisse plus de place dans l'inventaire, comme ça. Alors, il y a quoi là-dedans? Je prends. Ça, je prends. Bah, à mon avis, ça va se péter la gueule. Sûr. Oh! C'est pas grave, j'en ai perdu un. J'en ai perdu au moins deux. Ouais, non, 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 non. Attends, attends, attends. C'est trop risqué. On peut descendre? Mais clairement qu'on peut descendre, mon gars. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, non, j'en veux pas. Attendez, j'espère qu'on peut sortir. Oui, bien sûr. Il est quelle heure? On est bien. Oh! Ça, je prends. Oh, 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 putain. Mon bonhomme, il s'est emballé, mon gars. Il était en train de marcher tout seul. Oh là là, on a tellement envie de faire le grand saut quand on voit ça. Oh, et celui-là? Eh ben, je le prends aussi, tiens. Putain, mon inventaire, il est plein de coffres, les mecs. J'ai des coffres partout, quoi. Mais non, mais jusqu'où ça va aller, mon gars? Jusqu'où? Oh! Regardez ça. Alors, attendez. Avant d'y aller, on va faire un petit tour. Voilà. Je prends. Non, mais je vous le dis, au niveau du stuff qu'il y a à ramasser, c'est presque trop. Vache, mon gars. Non, non, je peux pas passer. Oh, encore un coffre. Allez, je prends. Il me reste une place dans l'inventaire. Oh, mais attendez, on peut encore passer. Il y a encore un bateau là-bas. Il y a encore... Ah, mais clairement, ouais, c'est le porte-avions là-bas. Oh, regardez ça. Oh, excellent. C'est de là d'où je viens. Terrible. Oh, ok. Bon, ça, je prends. J'ai plus de place. J'ai plus de place. J'ai plus de place, mec. Je suis blindé, bordel. Attendez, hop, voilà. Comme ça, ça c'est fait. Nickel. On va faire un peu de rangement. Là, ça va dégager, mon gars. Poubelle. Non, mais vous vous rendez compte? Jamais j'ai fait ça dans Stone Dead Deep, mon gars. J'aurais chialé pour avoir tout ça. J'aurais chialé. Non, mais regardez ça, le nombre de torches, quoi. 1, 2, 3. On va en garder une quand même. Putain, non, mais encore un bateau, les mecs. Mais non. Ah, bah attendez, c'est le bateau que... C'est le bateau qu'on vient de visiter. Il y a quoi là-dedans? Oh, des planches. Oh! Oh, bah ça, mon gars. Non, 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 non. Et ça, je le prends. Alors, j'en ai déjà sur mon radeau, mais on sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Oh, les pommes de terre. Ça se ramasse, hein. Oh là là, les bouées qu'il y a et tout, là. Non, mais il y a beaucoup trop de trucs, les mecs. Il y a beaucoup trop de trucs. Regardez, un flingue. Déjà, tout ça, on va manger. Voilà. Ensuite, ça. Voilà. On va jeter. Et c'est parti, mon gars. Mais non, mais mon gars, mais c'est pas possible. Je crois que j'ai plus de place. Si? Ouais, si, j'ai encore de la place. Attends, tu me diras, j'ai mieux. Ouais! Il est où? Ouais, il est là. C'est bon. Oh, c'est quoi ça? Ouais! Ah bah oui! C'est là où je voulais aller tout à l'heure. Ah bah voilà. Scotch. Mais non, mais non, mais non, mais non! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais il y en a partout, les mecs. Ça craint, quoi. Bon, attendez, bougez pas. On va faire un tri encore. Non, mais je vais mettre tout ça où, les mecs, quand je vais rentrer sur mon radeau? Je vais les mettre où? On va se poser tranquillement, calmement. Voilà. Ouais, je vais tout trier, les mecs. Je vais tout trier. Alors, attendez, parce que là clairement... Là, clairement, je sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis, les mecs. Je sais plus. Je suis perdu, là. Alors, attendez. On va y aller dans l'ordre. Là, j'ai déjà deux coffres vides, vous voyez? Ok. Là, cette fois-ci, on est reparti. Bah, on va retourner sur le radeau. Hein. On va retourner sur le radeau, les mecs. Hein. Non, mais regardez. Il y a encore des bouées jaunes. Bah, je pense que les bouées jaunes, on va en reprendre. Hein. Ça, hop. Ouais, 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 clairement. On va attendre. Par contre, j'avais une hache. Oh là 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 là. Mon Dieu, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai foutu, quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu? Où est ma hache? Elle est là, voilà. Hop, j'ai une hache. Voilà, comme ça, on va prendre quelques bouées jaunes. Hop, ça. Oh là là, puis ça vole dans tous les sens, mon gars. Voilà, comme ça, hop, je reprends tout ça. Ok. Ouais, de toute façon, j'ai pas faim, j'ai pas soif. Les mecs, jamais de la vie, je me serais dit ça. Jamais. Mais quoi que bon, attendez. Ça peut toujours servir, je vais les ramasser quand même. Il y a quoi là-dedans? C'est vide, voilà. Hop. Oh, 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 oh. Mon bonhomme, il s'emballe des fois et il avance tout seul. Ça sert à rien que je les mange maintenant. Je vais vomir. Je vais vomir. Autant que je les range pour plus tard. Oh là là. Oh. Ouais, j'ai
tellement envie de faire le grand saut. Vous croyez que ça passe? Moi, je pense que ça passe. Hein. Franchement, je suis dégoûté si ça passe pas. Je vous le dis, j'ai pas sauvegardé. Je vous le dis, je suis franc avec vous, j'ai pas sauvegardé. C'est-à-dire que là, clairement, ça fait déjà 1h15 que je joue, j'ai pas sauvegardé. Eh, je prends le risque, mon gars. Je suis un fou. On est des ouf. Vas-y, je prends le risque. Oh, mon gars, ça passe. Oh, ça passe de ouf. Nickel. À l'aise, mon gars. Comment c'est passé? Attendez, il y a même des coffres ici, là, non? Je sais pas, il y a des bulles et tout. Non, il y a un requin, il y a un requin. Mais non, mon gars. Mais j'ai plus de place, il n'y a plus rien. Tu veux que je les mette tous mes coffres? Regardez les mecs, où est-ce que je les mets? Attendez, on va refaire des shelters. Oh là là, mon gars. Je m'y retrouverai jamais. Gros, regarde, ma partie, elle lag. J'ai tellement de trucs dans les coffres. Ma partie, elle lag. Ça lag, mon gars. Oh là là, mon gars. Marie-Madeleine, avec Bertrand, à la voile. Ça va secouer, ma fille, accroche-toi. Allez, mon gars, c'est parti. Hein. Oh là là, et je vous le dis, par contre, va falloir que je fasse du tri. J'ai trop de trucs dans mes coffres. Bon, les mecs, on est parti. Déjà, on est parti, je sais pas où. Mais moi, je vous le dis, sincèrement, je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec une aventure pareille. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va. C'est quoi le but? Quel est le but, là? C'est que je fasse toutes les îles et que... Gros, je pourrais vivre 10 ans sur mon radeau. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai même plus besoin de bouger de là-dessus, là. Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai l'impression que j'avance plus. J'ai l'impression que mon radeau, il est trop lourd. J'avance plus, les mecs. Ah ouais, je suis sur un rocher. Ben ouais, gros. Je suis sur un rocher. Regardez, c'est trop gros. Je vais me faire bouffer par un requin, c'est tout ce que je vais gagner. Attends. Marie-Madeleine, je vais la prendre sur moi avant de la perdre. Clairement, là, je sais pas vraiment où est-ce qu'on va. Regardez, il est trop gros, mon radeau. Il part en couille, mon gars. C'est n'importe quoi. Il y a une île en face, là. Je vais encore trouver combien de coffres, les mecs, sur cette île. Non, mais sérieux, je vais trouver combien de coffres? Attendez, j'en viens pas de là-bas? Je crois que si, hein. Oh là là, mon gars, mais non, mais... On va tenter de manœuvrer, mais... Regardez, même la manœuvre est... Il arrive plus à tourner, le radeau. Il arrive plus à tourner, il est à bout. Déjà, on va aller sur cette île, là-bas. Elle me paraît énorme. Mais énorme. Je ne sais pas encore combien de coffres on va trouver là-bas. Je vais encore agrandir mon radeau, hein, mais... Arrive au bout d'un moment, je vous le dis, les mecs. Hein. Je pourrais plus bouger. Hein. On pourra plus flotter. Il va plus flotter, le bordel. Ça va plus être possible. Ah, ma vieille! Qu'est-ce qu'on va faire, là? Non, mais regardez ça, quoi. On arrive encore sur une nouvelle île. Attends. Jour 21. Oh, regardez ça. Il y a des grottes là-bas et tout. J'ai l'impression. Soit c'est des grottes, soit c'est un bug. Attends, stop. Voilà, on jette l'ancre ici. J'ai vu une entrée là-bas. Oh là là, je suis loin. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis loin, les mecs. Hein. On est très loin. Voilà, j'ai vu une entrée ici. Bon, écoutez les mecs, moi, tout ce que je peux vous en dire, c'est que là, déjà, je vais sauvegarder. Après tout de même, 1h30 de jeu, ça c'est pas mal. Moi, je vous laisse, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, tout ça. Et puis, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Rendez-vous mercredi à 14h sur Twitch. Le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!